Actuellement au Bénin, nous n'avons que deux variétés. Il y a le pain de sucre, que tout le monde connaît, il y a également la Kaenlis. Le pain de sucre est un ananas que les producteurs trouvent un peu facile à cultiver d'abord par rapport aux itinéraires techniques de production. Ça ne demande pas beaucoup d'intrants. Et également, à cause de son saveur sucrée et aussi de sa chair qui est vraiment bien à manger par rapport à l'autre ananas. Et aussi, sa présentation, sa forme fait que les gens sont beaucoup intéressés. Par rapport à la multiplication des rejets, lui, il se multiplie très vite avec les rejets. Alors que l'autre là, c'est très lent quoi. Comme tout produit d'une origine, il faut faire valoir son produit. Ce produit ananas pain de sucre, vous voyez, en Europe, les gens ne connaissent pas le fruit vert. Donc, ce fruit vert, même si il est vert là, il est déjà mûr. Et ce pain de sucre là, qui a cette couleur verte, est quand même mûr. Et est une variété un peu réservée sur le plateau de l'Adalada du Bénin, à savoir presque les six communes, Alada, Abomey-Calavi, Tori, Bomassé, Zé et Tofo. Là, pour pouvoir faire comprendre au Béninois et aussi à l'extérieur, valoriser cette production de pain de sucre, c'est pourquoi nous avons décidé, les producteurs, de prendre le label IG pour notre pain de sucre du Bénin pour le faire positionner sur le plan mondial et pour qu'aussi d'autres pays qui nous imitent ne nous l'arrachent pas plus tard. Parce que cette variété se cultive ailleurs, mais le goût, la saveur et toutes les caractéristiques qui sont liées à notre ananas pain de sucre du plateau d'Alada, on ne reconnaît ça pas ça sur les autres ananas pain de sucre des autres pays. Donc c'est pourquoi nous voudrions faire la promotion de ce pain de sucre qui est lié à notre origine, plateau d'Alada. Et pour valoir cette culture, donc ça fait aussi la promotion de notre pain de sucre à l'extérieur, sur le plan national, régional et international. On va parler d'abord de l'organisation LOAPI, qui est l'organisme qui certifie en quelque sorte ce label-là. Donc, on va parler de l'État. Il y a les différentes structures, telles que ABSSA, ATDA, DEDAEP, le MAEP et toutes les structures qui interviennent dans la qualité et dans la nutrition au Bénin, les chercheurs. L'INRAP, quoi. Donc, les producteurs, les commerçants, les exportateurs, tout le monde est impliqué par rapport à ce label-là. Ça valorise la production au-delà de notre pays. Si quelqu'un, un client prend l'ananas et il mange l'ananas, du pain de sucre du plateau d'Alada, et par rapport à d'autres pains de sucre des autres pays, la différence est nette. La personne identifie rapidement notre pain de sucre avec le logo de LOAPI en appui. C'est le logo de LOAPI qui indique clairement que ce ananas est vraiment un IG. Ça permettra aux producteurs de vendre à un bon prix, surtout à un bon prix. Parce que si avec le label aujourd'hui, plus personne ne pourra vendre ce pain de sucre du plateau d'Alada et nous égaler. Donc sans ce logo-là, on ne pourra jamais vendre cet ananas et faire sa promotion au niveau de
l'extérieur. Parce que c'est une reconnaissance officielle dans les 16 pays de le mois et puis et c'est reconnu dans le monde entier. Le groupement Jediga, groupement de défense de l'IG, a des différentes étapes de contrôle, c'est-à-dire le premier niveau pour maintenir la qualité, c'est le producteur lui-même d'abord. C'est lui qui fait son autocontrôle. Le deuxième niveau de contrôle, le contrôle interne, c'est le groupement de défense lui-même qui assure ça. Et il y a un contrôle qui est externe, qui est organisé par TEDAEP. Eux viennent pour suivre et contrôler tout ce qui se passe. Et encore le quatrième contrôle qui est le comité national qui supervise toutes ces activités-là de contrôle du bas jusqu'en haut. Nous sommes en compagnie avec les chercheurs pour pouvoir améliorer le rendement de cette production. Parce que le rendement ne peut pas se faire avec les producteurs seuls. Nous sommes accompagnés par les chercheurs, toutes les structures d'appui pour la recherche et le développement de la production dans le pays entier. Donc, par rapport à ces quatre dispositifs, je crois que la qualité de l'ananas, bien dessus du plateau de l'ananas, sera maintenue et garantie aux producteurs. Yeah, 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 yeah.